Installé ici en terrasse Place Guérin à l'occasion des 10 ans de Canal Tizèf. Donc toi, tu as pu voir un petit peu la naissance de Canal Tizèf. Est-ce que tu pensais un jour nous voir pour nos 10 ans? Oh ben oui, ouais, parce qu'en fait l'idée était tellement intéressante et il y avait tellement de choses à dire et à faire. Et puis, vu votre motivation, à mon avis, ça, c'était une histoire qui devait durer. Et ça fait plaisir de voir que ça dure encore et qu'il y a encore des tas de gens intéressés. Et puis de voir que ça se développe même, d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment bien. Et vous aviez tous naturellement des énergies mises ensemble. Voilà, ça donne ce que ça a donné. Et je crois que ça va donner encore pendant quelques années. Ouais. Le train part, soulevant larmes et regards crevant le cœur au soleil levant. Un bateau sur la mer remonte au vent, seul et fier de la gare, on voit la mer. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que déjà, on se connaissait plus ou moins, vous étiez client, et puis et en fait, votre projet, vous en parliez, vous en aviez parlé, et je trouvais ça intéressant. Et puis ça allait ça correspondait un peu à l'esprit du bistrot, un bistrot ouvert à des choses différentes, et pas un bistrot où on est là que pour servir un demi, puis d'encaisser, et un bistrot où il puisse y avoir des échanges entre les gens. Et il y a des gens qui ont plus d'initiatives que d'autres. Vous faisiez partie de ceux-là. Donc ça me paraissait dans l'esprit, quoi, dans l'esprit du bistrot. Et puis de ce que j'avais envie de faire de ce bistrot-là. Quoi. Jean-Yves, comment ça se fait qu'il y a des poèmes dans ton bistrot ce soir? C'est parce qu'on aime la différence. Et c'est juste pour faire des choses différentes et ouvrir les choses aux gens et leur donner un autre aperçu de ce que certains appellent la culture. Et ça, c'est terrible. Les gens se confinent dans des choses et il faut donner dans la culture plus que de la musique, que beaucoup de gens considèrent comme étant la seule culture. Il faut donner autre chose. Et c'est une tentative que je trouve belle et excellente, super. Parce que la poésie a des choses à dire, tout simplement. Alors, moi, je vais avoir un peu de mal pour parler de l'évolution de Tizèf, parce que finalement, j'ai été assez peu présent sur les 10 années qui viennent de se passer, quoi. Et en termes de projection, même d'organisation. Mais c'est vrai que moi, je me souviens que l'énergie et la volonté qui était celle du noyau dur de Tizèf au début me plaisait bien, et que j'avais envie de autant que je pouvais d'aider cette démarche là, quoi. L'évolution, à la limite, enfin l'évolution, c'est surtout à vous de la voir. Moi, je trouve que déjà le fait d'exister, de continuer à exister 10 ans plus tard, je trouve que ça marque bien qu'il y a forcément eu une évolution, parce que sinon un projet comme ça retombe au bout de 3 ans, quoi. Ça veut dire que vous avez trouvé d'autres personnes, enfin Canal Tizèf a trouvé d'autres personnes éventuellement pour venir en renfort, ou bien que vous avez réussi à consolider suffisamment
ce que vous aviez mis en place au départ, à trouver des financements pour créer des postes, etc., pour que la structure continue d'exister. Et ça, moi, je trouve ça déjà super bien. Du coup, ça veut dire qu'il y a eu une évolution aussi, il y a eu l'envie de pouvoir aller au-delà de la simple captation de moments pour faire des documentaires, mais même des documents qui restent et qui puissent être utilisés plus tard et qui servent de mémoire sur un certain nombre d'événements. Écoutez quoi ? Faut nous entendre ! Allez les gars, je remets la pétition. Faut nous entendre ! Faut nous écouter ! C'est pas vous qui souffrez. C'est pas vous qui nous faites des dépressions. C'est pas vous qui descendez au fond du gouffre. J'en avais rien à foutre. Bravo. Ah, ce que j'en ai gardé de positif, c'est que ça nous faisait aller dans des bars tranquilles, qu'on aimait bien, boire des coups. Et voilà quoi, discuter avec des gens, souvent d'un sujet qu'on a passé, ou la plupart du temps d'autres choses. Ouais, parce que moi je fais bien la différence entre les lieux de diffusion de TISEF, c'est-à-dire ce que tu dis là un peu, les bars, les trucs comme ça. Et puis après il y a aussi tout ce qui est festival intergalactique ou Douarnenez, enfin c'est complètement différent. Donc du coup pour rester sur les côtés bars et tout ça, ce qui était négatif c'était... Putain, qu'est-ce qu'on s'est fait chier à monter ce film-là, enfin à le faire quoi. Et en fait, finalement, je vois, il y a la musique, les gens ils boivent leur coup, ils discutent en même temps. Enfin, ils ont même pas remarqué le super effet de montage que j'ai fait à ce moment-là, qu'on a discuté pendant des heures avec Christine ou Steph ou machin. Et puis hein, quoi ? Ah ouais. Et bon, voilà, le côté un peu, des fois, quand tu diffuses tes trucs dans les côtés troqués, et puis que finalement, il n'y a pas beaucoup de monde et qui sont pas forcément très réceptifs, quoi, en train de regarder, ça, c'était un peu usant. J'avoue que j'ai un peu ce souvenir-là, usant, c'est un bon mot, en fait. Des flics, quoi, m'ont dit, oh, celui-là, il est pas net, ils sont venus vers moi. Alors, j'ai sorti mon truc. Et en fait, ils n'ont pas vu que j'avais dans la poche à briquet. Et mon pépé, il est venu me sauver, Léon, comme Léon, tu sais, c'est dans le film, comme dans le film Léon. Il est venu, puis il m'a dit, c'est mon petit-fils, c'est mon petit-fils. Puis voilà, et puis j'avais toujours mon toshi dans la poche, et puis des flics qui se taillaient. Voilà tout ce que j'avais à dire. Parler d'éducation populaire, qu'est-ce que tu vois dans l'éducation populaire ? Ce que je vois dans l'éducation populaire, dans le populaire, c'est le tout le monde en fait, parce que ce qui serait différent, ce qui pourrait se différencier avec une forme d'éducation pour un type de population spécifique ou une population favorisée qui aurait droit à plus d'éducation par rapport à d'autres, et le populaire, c'est, disons que ça, de façon peut-être un peu sous-jacente, c'est peut-être plutôt la population qui, a priori, ne bénéficie pas de certains droits, c'est un chemin pour y arriver, en fait. Qu'est-ce qui vous fait peur chez les handicapés ? Hormis le fait d'être aidé, on peut beaucoup partager.
Oui, c'est très difficile parce que moi, j'aurais voulu marcher comme les autres. Je suis pas comme les autres. Je veux être comme les autres, mais j'ai du mal. C'est pour ça que moi, je prends des rendez-vous avec la psychologue pour essayer de tenir ma souffrance. Mais plus ma souffrance est là, plus je me sens mal. À cause de cet handicap que je ne veux plus. Ouais. Mais il y a aussi, j'ai pas mal de souvenirs en fait au local où c'était des potes qui voulaient faire un film et du coup qui venaient à Tizèf pour demander comment on fait quoi. Enfin, ils venaient surtout pour le matériel d'ailleurs, mais même après pour savoir comment on utilise le matériel finalement. Et du coup, en fait, j'ai passé pas mal de temps comme ça avec des gens à faire le film avec eux quoi. Enfin, je pense à plusieurs personnes quoi. Et donc, du coup, la transmission, je la voyais là aussi quoi, apprendre à utiliser un outil qui est. Qui est hyper chouette quoi, enfin faire des films. Donc du coup voilà, juste transmettre ce truc là. On devrait savoir. Pour moi c'est comme transmettre à faire du jardinage ou transmettre à faire pas mal d'autres savoir-faire qui sont toujours. On se sent toujours mieux quand on sait faire des choses quoi. Donc quand on sait s'exprimer d'une manière ou d'une autre, ou enfin exprimer, je dis. Faire du bricolage ou du jardinage ou quoi, on se sent toujours mieux à faire un truc plutôt qu'à faire appel à un expert et à payer. Pour ce truc-là, quoi. Donc du coup, voilà, une sorte de démarche. Apprenons nous-mêmes à faire ce qu'on sait faire, quoi, et on sent moins con. Bonjour, en tant que congressiste, qu'est-ce que vous pensez des rassemblements comme ça? Rien du tout. Bon, merci. Bonjour, vous voulez bien répondre à quelques questions? Non? Pour une télévision associative, vous voulez bien répondre à quelques questions? Je suis attendu, excusez-moi. Bonjour, que pensez-vous des rassemblements? Pas grand-chose. C'est-à-dire? Pas grand-chose en ce moment. Ah bon? Ça vous indiffère ou... Ils n'ont qu'à devenir patron, ils verront ce que c'est. Hein? Bon. Pourquoi est-ce qu'on peut pas rentrer regarder juste dans le hall ce qui se passe? Vous avez de quoi interviewer là, non, je pense. L'effet ça te fait d'être l'employé du mois face au MEDEF aujourd'hui? Bah ça me fait très plaisir parce que j'ai toujours adoré Ernest. Ernest est un homme sain, un homme bon, un homme qui est contre les 35 heures, qui est contre les retraites. Je crois que les ouvriers, bah, ils peuvent qu'apprécier le geste du patron du MEDEF. Messieurs, avez-vous une carte de presse? Non, c'est une télévision associative. Je vous demande de rejoindre vos petits camarades. Parce que seuls les journalistes accrédités peuvent rentrer. Les télés, ils ont le droit et nous, on n'a pas le droit. Oui, les télés, les gens qui en font leur métier, télévision, presse écrite, audiovisuel, etc. Donc vous rejoignez votre profession. C'en est une télévision? Mais non, mais c'est une télé associative. C'est une télé associative. Oui, bah, bien. Mais, quelle différence vous voyez? Vous auriez eu une carte de presse et ça serait différent parce qu'il y a des conférences de presse, il y a des choses organisées. Donc vous rejoignez. S'il vous plaît. Bon, ok, alors on retourne dans notre camp.
cinéma a été utilisé comme une arme pour défendre un principe. Le principe, c'était les pollueurs doivent être les payeurs. Bon, c'était aussi pour nous lutter pour des choses qu'il était nécessaire de faire connaître. Et puis on a continué comme ça, quoi, jusqu'à ce qu'on soit obligé de mettre la clé sous la porte, parce que on s'était dit en 81, on va pouvoir, avec les changements politiques en France, on va pouvoir faire triompher cette idée de film qui dénonce les choses qu'il est nécessaire de montrer pour obtenir compensation aux gens qui... Bon, et puis on était à ce moment-là, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on continue à agir en dehors de la légalité pour faire les choses qui redevenaient légales après. Et c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre, qu'on a continué à faire des films à partir de la Bretagne qui ont été utiles pour la défense de gens à qui, en règle générale, on refusait la parole. Et puis on a continué, quoi. J'ai besoin de carte de presse. Bon, ben, vous n'avez pas besoin de mettre les gens là-bas. Vous avez ça, monsieur. Vous voulez qu'on vous la prenne ? Arrêtez, on a le droit de filmer. On vous dit non, on veut pas être filmé. Mais c'est pas vous qui décidez. C'est quand même de mon image, non ? Il y a France 3 qui arrive. Voilà, France 3, on le laissera filmer. Ah ouais ? Squat. Allez, on les trouve dedans. Oh ouais. Merci. Monsieur le journaliste. Dehors, messieurs. Oh, c'est quoi ça? Il a la carte de presse. Il a la carte de presse. Oh, oh, oh. On se casse avec. C'est un journaliste, oh. Dehors. Ouais, vas-y. Oh. Allez, souris à la caméra. Souris, là. On est des gentils, nous, c'est vous les méchants. Vous cherchez quoi? Ils cherchent que la vie. Oh, n'importe quoi. Excusez-moi, messieurs. Est-ce qu'on a pu discuter au moins? Vous ne rentrez pas, il n'y a pas de discussion. On te voit toujours. Faut que tu bouches le trou. Donc c'était à la fin décembre, c'est ça? Ouais. Vous ouais. Avez su que là, vous étiez expulsable. Hein. Ouais. Donc il y a eu une audience demandée par l'avocat du ouais. Collectif. Ouais. Du coup, ça a relancé une procédure. Il y a eu une audience, je ne sais plus, en janvier. Et donc là, ça s'est fait donc ce matin. Ça a été confirmé. Ouais. Voilà, donc nous, le collectif a pris rendez-vous avec la ville, cherché d'autres lieux. T'as donné énormément de toi, comme le Triskel, et de le voir aujourd'hui fermé, ça t'inspire quoi? Bah, en fait, ça m'inspire, moi, personnellement, à du gâchis. Et c'est moi qui en suis responsable. Ça, j'en suis responsable. J'ai ma part de responsabilité. Après, il y a eu, bon, on pourra chercher hein, des volontés un peu derrière, je sais pas comment qualifier ça, mais. Je crois que apparemment on est tous on est éphémère. Bon voilà, il y a des choses qui sont passées, elles sont écrites et elles resteront, et puis voilà quoi. Je veux dire, on va pas non plus moi je vais pas me taper une nostalgie négative quoi. Je veux dire, c'est au contraire, c'est positif quoi. Je veux dire, et quand on voit qu'en face il y a quand même
un Triskel Beyond qui n'est Beyond que par le nom, en fait, parce que je crois que dans l'esprit aussi, bon, il y a des choses qui fonctionnent, et puis ben, c'est bien. Il y a toujours des gens pour relever le défi et puis pour continuer à aller de l'avant, quoi. Je veux dire, on n'est que de passage, et puis il y a toujours du monde derrière pour le faire, hein. Et ça, c'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais, bien sûr. Et il faut que ça reste comme ça. Par contre, il y en a peu. Il y a peu de gens qui restent dans cet esprit-là, quoi. Et c'est ça, en fait, le déclin du bistrot, c'est que les bistrots s'aseptisent, et puis, comme je disais tout à l'heure, sont tous formatés, plus ou moins, avec des règles et des choses comme ça, quoi. Le circuit, il a toujours, tu vois, refusé systématiquement, tout ça. Bah, je pense qu'il avance des questions de sécurité, lui, c'est ça. Il avance des trucs... Ouais, mais tu peux marquer que ça n'empêche pas qu'ils aient fait un PC sécurité en Brest 2004. Non, ici, là, on ici ouais, c'était le PC sécurité de la CCI. Ouais. Et alors là, donc, ouais, vous aviez quoi en fait? Donc, il n'y avait pas de lumière, j'imagine, il n'y avait pas d'eau non plus. Si, si, il y a feu, l'électricité. Il y a tout ça si, bien, sûr, contrat d'ouvrir, en tout. Bien sûr, ouais, avec ouvert des contrats. Ouvert par qui alors? Ouvert par vous? Ouvert par un d'entre nous. La porte était ouverte. L'électricité était ouverte par l'électricité. Ce matin, ça s'est passé comment? Ils se sont présentés à quelle heure ce matin? À 9h30, ils ont sonné. Je suis descendu, j'ai ouvert. Ils m'ont dit commissaire central, tout le monde dehors. Voilà, c'est le seul dialogue qu'on a eu avec eux. Des vilains. Je sais pas, moi, donc ils ont malheureusement normalement on attend la trêve d'hiver évidemment. Quoi. Comment ouais. On ouais. attend la trêve d'hiver donc ils sont pas obligés de la respecter. Là ils l'ont pas respecté du tout. Alors ça met combien de personnes dehors vraiment? Ça met combien de personnes qui vivaient là, qui dormaient là? Quatre personnes dehors. Quatre personnes dehors. Elles ont quel âge en fait ces personnes? Entre 25 et 35. Les prochains jours on va faire une action sûrement. Il n'y a pas eu de discussion du tout? Non, pas du tout. Aucune discussion, d'accord. Ils vous ont laissé le temps d'enlever toutes vos affaires ou pas? Non. Quel est votre recours pour récupérer les affaires là? Bah, apparemment, faut qu'on les appelle et qu'on prenne un rendez-vous tous ensemble, main dans la main, puis qu'on... Ouais. Voilà. Oh, j'ai même pas pris le procès-verbal, il est à l'intérieur. Je l'ai pris. Tu l'as pris, ma pute. Bien joué. Le ton est monté assez vite, pourquoi? Parce que chacun y a mis un peu de son énervement ou il n'y a pas eu de discussion possible, ouais. Chacun est un peu monté en pression. Ouais, on a surtout demandé, tu vois, une heure ou deux pour le matos, etc. Ouais. Donc, et non, pas ça n'a pas été possible, ouais. Ils n'ont pas attendu la fin du café, d'ailleurs. Ah, voilà, la gueule, c'est inadmissible. Ils vous ont prévu bien avant qu'ils allaient vous expulser aujourd'hui ou pas? Nous on avait proposé, on a toujours été diplomatique avec la CCI, avec la préfecture, donc on a proposé aussi une date le 1er mai, etc. Ils nous ont dit on vous rappellera, on va réfléchir, etc. Donc voilà, donc ils n'ont pas donné de réponse, ils ne nous ont pas rappelé, etc. Alors qu'on était une dizaine de fois pour parler et avec la CCI. Et là ils ne vous ont pas du tout dit ok, on vous expulse tel jour, quoi. Non, ils sont venus à l'improviste. Ouais, quand il lâche. Aucune discussion possible? Non, non. On s'est rendu compte, de toute façon. Ah oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, alors? Alors, Brest, le 23 février 2005, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce matin, la police, sur ordre de la sous-préfecture de Brest, a expulsé par la force et brutalement les occupants de chez Dédé sur le port de commerce. Ce lieu, laissé inoccupé depuis 3 ans par la CCI, était investi par des artistes depuis le 20 novembre 2004. Ceux-ci avaient immédiatement cherché un accord de convention à l'amiable avec le propriétaire. La réponse a été immédiatement judiciaire et sans aucune volonté de dialogue. Après l'expulsion de ses occupants au réveil, en plein hiver et sous la neige, ce lieu sur lequel il n'y a aucun projet va rester vide. Suite aux décisions judiciaires ordonnant l'évacuation des lieux, le collectif avait demandé un délai à la sous-préfecture. La réponse a été pour le moins brutale. D'autre part, depuis plus d'un mois, la ville de Brest a également été sollicitée en vue de trouver un autre lieu. La demande est restée lettre morte. Au même moment, l'association Vivre la rue, qui donne vie à la rue Saint-Malo depuis 15 ans, lutte pour éviter les bulldozers, et que l'échelle, l'association de créateurs, a déjà vu passer les fossoyeurs. Donc voilà, alors notre passage ici était plutôt symbolique, on n'attend rien de la CCI, ils ne veulent pas nous rencontrer, là quelqu'un du Télégramme les a vus, il a encore... Ils ont encore exprimé tout le mépris qu'ils pouvaient avoir pour nous. Donc on propose maintenant de remonter vers la mairie, sur la place de la Liberté, où on va tâcher de bien rigoler, et de poser des tentes, etc. Et de faire une installation plus que symbolique. Et voilà, allons-y. Puis je sais pas s'il y a des chansons et des... Voilà, allons-y.